Si on a l'école là pour le guet tant qu'on ait une notion en sécurisme, parce que nous avons des jeunes universitaires qui sont avec nous là, tout dans l'université d'État d'Haïti, c'est pas les petits qui arrivent à l'université pour venir connaître ça qui ont PLS, ça qui ont hémostase. Depuis les petits qui ont fait rétophilo, nous voulons que pour les jeunes, ça au guet tant apprendre nous sur ça depuis l'école, vu par rapport à la vulnérabilité nous sur le plan sanitaire, nous sommes certains ça capable d'aider. Et dans le contexte ça, nous demandons de tous côtés qui ont des d'où est-ce que c'est secouriste. Il parle que non pas seulement de moins de tout côté de monde d'où est-ce que c'est secouriste, nous demandons pour les journalistes surtout pour information secouriste. Parce que nous avons un métier qui est noble, nous avons couvert un événement, quand il y a des gens qui sont en danger, en difficulté, ou même qui fait partie de médias journalistes, il faut qu'on connaisse qui ça pour faire pour aider n'importe qui qui est en danger. D'accord. Non, formation. Bon, pour l'activité, ça, c'est OPC qui couvre l'île, c'est une activité gratuitement. Mais pour ça qui a rapport avec formation, qui n'a pas rapport avec déjeuner, ça, nous sommes capables de quitter le numéro de téléphone. Pas oublier que nous sommes pas Robens Bertrand Rock, docteur en médecine et puis secouriste. Nous sommes capables d'entrer en contact avec nous sur 36 99 49 71. Nous fait suivi et puis n'importe qui a une organisation, qui a l'église, n'importe côté qui a une communauté, nous sommes prêts pour nous capables de faire une formation en urgence médicale. Et effectivement, non pas seulement de ça, mais seulement rappeler au 14 septembre qui s'est passé là, samedi dernier, c'était journée mondiale des premiers secours. Ou après thème mondial là, c'était le secourisme et le sport. C'est parce que je connais que y a une relation étroite entre le secourisme et le sport. Je fais un rappel pour vous, dans l'année 2021, Coupe d'Europe, Eriksen, joueur danois, a été tombé avec une crise et arrêt cardiaque. C'est un joueur qui te guette rapidement, Simon Kadjaer, réanimé. Et vous venez comprendre que proximité qui gagne dans ce sport-là, contact, sport à son jeu de contact, tout joueur est supposé gagner formation sécurisme. C'est peut-être ça, vous pourrez même dans la Coupe d'Europe qui s'est faite dans l'année 2024, où vous faites tout joueur, surtout équipe portugaise, prend formation sécurisme. Et bien qu'on y a là, nous-mêmes en Haïti, non pas seulement de monde qui a pratiqué sport, nous m'a dit depuis on va vivre ou gain deux mains ou gain deux pieds li plus qu'on évidence pour une formation en urgence médicale. Nous sommes dit ça là tout à l'heure, effectivement c'est plus qu'on importance. Nous dit que même gentil monde dans l'école depuis à la base li gain cours sport, li gain cours musique, li gain cours informatique, li gain cours anglais espagnol. Ministère d'éducation nationale par rapport à vulnérabilité nous sur le plan sanitaire et pas oublier tout pays d'Haïti son pays qui a risque face à catastrophe naturelle surtout tremblement de terre. Ti monde depuis l'école faut qui connaît ça qui une simulation, puis on fait simulation pour lui. Si il y a un tremblement de terre, mais qui j'en pour le positionner. Et si on m'a dans la famille, tout, monsieur est certain, il était capable d'aider pas avant que mon ça arrive à l'hôpital. C'est peut-être ça, on a continué plaidoirie. Et ministère de la Santé publique et ministère de l'Éducation nationale, surtout ministère de l'Éducation nationale, pour yon intégrer cours secourisme dans le cursus élève, sorti dans NS1, arrivé dans NS4.